Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en ce moment j'essaye d'être un peu plus présente sur YouTube parce que j'en profite. J'en profite dès que j'ai le temps, le soir quand les enfants sont au lit, je vais direct me préparer et tout faire une vidéo. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous aimeriez que je vous propose comme contenu, parce que c'est vrai que votre avis il est vraiment varié. En mode, par exemple, quand je fais des covers, je sais que la plupart des gens qui me suivent, c'est pour mes reprises. Et il y en a toujours qui se trouvent à dire « Ouais, mais elle fait pas ses propres chansons, patati patata. » Moi, faut savoir que les covers, j'aime trop depuis petite. Déjà, étant petite, j'écoutais que des covers. J'écoutais même pas des musiques normales, genre j'écoutais que des reprises, genre de personnes d'Amérique et tout. J'aimais trop, même ma série préférée, c'était Glee. Et dans Glee, qu'est-ce qu'ils font? Des reprises. Et c'était vraiment... Enfin voilà, bref, petite parenthèse pour ceux qui disent ça. Et en même temps, il y en a qui veulent que je fasse des vlogs, il y en a qui veulent que je fasse, voilà, il y en a qui aiment moins quand je fais des vidéos. Donc aujourd'hui, ce que je propose, du coup, c'est une vidéo blabla, en même temps une vidéo chanson. Donc en fait, je vous explique, ce que je vous propose, c'est qu'on va repérer des vidéos, on va rechercher des vidéos de moi sur YouTube étant petite. Et ce que je vais faire, c'est je vous propose de rechanter la chanson que j'ai chantée étant petite. Et en commentaire, pour chaque chanson, vous me direz laquelle vous préférez, si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle. Donc voilà, c'est parti. Pas en main gros, je suis pas facile. Tu cherches tranquillité gros, c'est pas ici. Tu viens trop squatter les bancs, la tessie. Faire tourner des rumeurs comme des imbéciles. Pourquoi tu m'évites? T'as fait l'erreur, donc ne recommence pas. Je fais des rêves, je dis où ça fait mal. Je suis téméraire, je reviens pas en arrière. Ceci, je vais me munir de mon téléphone. Voilà. Parce que j'ai mon ordi là, mais c'est mieux le téléphone. Comme ça, je peux faire des captures d'écran de mes vidéos. Vous allez voir, vous allez... Rigolai YouTube. Tienadella 12 ans. Parce que je sais que je faisais grave des trucs comme ça et tout. Contouring. Improving. Ah, je sais, il faut aller sur la chaîne Taz du 90. Taz du 90. Ah, voilà. Donc là, vous avez toutes sortes de vidéos. Donc, on va commencer par. La première, Yap Yap. Je pense que vous connaissez tous. Quand j'étais petite, j'ai fait Yap Yap. Bon, malheureusement, j'ai pas gagné. Du coup, on va écouter ensemble un petit extrait et après, je vous refais la chanson. Bon, on va passer là. On va passer. Oui. C'est parti. Bon, on s'arrête là. De toute façon, même moi, je vais pas vous chanter la chanson en entière. Mais petite parenthèse. Je crois qu'avant, à l'ancienne, c'était la mode de faire tch. Genre pour dire petite, petite. Je sais pas. Parce que je faisais pitié en tout cas. Bref, par contre, pour l'instru, je vais prendre mon ordi, les gars. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que je vais chercher l'instrumental tout de suite sur YouTube. Hop, mais bon, il me reste actuellement 6%. Sinon, après, je ferai sur mon téléphone, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est parti. En l'an 2000, tout commençait. Mes premiers pas dans la musique, mes premiers rêves. Premier texte sur petit bout de papier. Aujourd'hui, je veux que ma voix s'élève. J'en ai bavé, j'ai râlé, j'ai touché du doigt. Des carrières éphémères qui n'existaient pas. Des promesses.
toujours envolée, mais je n'ai jamais perdu confiance en moi. J'ai trimé dans la musique depuis toute petite. Honnêtement, j'ai jamais fait ça pour le fric. J'ai promis de toujours rester authentique pour ne pas qu'on ne puisse dénaturer ma musique. J'ai plus de souffle. Qui racontait que Kenza était sûre d'elle. Des mensonges et des mensonges à propos de moi, pour que je ne puisse pas déployer mes ailes. Comment je faisais, j'ai plus de souffle. D'avancer dans l'incertitude, la même attitude, déploie mes ailes et prends mon envol. Bon les gars, je pense que vous allez direct voter pour la chanson de la dernière fois, de il y a maintenant, je crois, presque 15 ans. Mais je vous donne absolument raison parce que vraiment c'est une horreur ce que j'ai fait. Mais j'arrive pas à la chanter en fait. Ça va trop vite. J'avais grave du souffle quand j'étais petite. Là j'ai plus de souffle, ça y est, je suis une grosse. Bon, celle-là, je vous l'accorde. Je pense qu'il y a le point pour l'ancienne chanson. On passe à la prochaine. Donc la prochaine, de toute façon il n'y a même pas les titres. Donc ça va être au pied quoi. Mais carrément il y a des pubs. C'est parti. Choc. Je me fais un peu pitié. Oh, rien. J'avais aucune expression du visage. Comme ça. Bon, on s'arrête là. Maintenant, on va faire. Bon, ça sera facile à trouver. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours et tout leur trémolo, balayé pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Bref. Voilà, donc maintenant à vous de donner votre note. Vous mettez 2, donc non rien de rien, et vous votez soit pour la première version, c'est-à-dire quand j'étais petite, ou soit pour la deuxième version. Ensuite, on passe à la prochaine. Ça change pas les habitudes. Mais là j'avais 11 ans, je me rappelle, j'avais pas 12 ans. Mais oui, je faisais quoi avec ça?
Bon après franchement soyez indulgents, j'avais quand même 11 ans. C'est tout. J'ai commencé à chanter depuis toujours, mais 11 ans c'est vraiment que je commençais à faire la ouf, genre en mode je croyais que j'étais 22, je me prenais pour moi la carrière. Bref, donc maintenant, s'il suffisait d'aimer, j'essaie d'en trouver une voilà, pas trop connue, parce que des fois, en fait, quand on fait des vidéos et quand il y a un bout de la chanson qui est protégé par des droits d'auteur, bah, ils enlèvent complètement le son. Et du coup, bah, j'ai pas envie que ça arrive, donc j'essaie d'en trouver une où il n'y a pas beaucoup de vues. Bah, là, il y en a une, mais bon. Il y a une vue. Ça, c'est un problème. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire relire au fond de mes pensées. Et comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes et mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon corps et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce rêve un monde, une éternité. Je me suis trompée. Bref, à vous de voter. Petit 3, la chanson que vous préférez, la première version ou la deuxième version. Bon là les gars, ça craignose parce que j'ai 3%. Hop là. Chanson suivante. Je faisais pitié. Ensuite, ça c'est quoi? Anna. 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 L'anglais maintenant c'est horrible. Déjà que là c'était horrible, maintenant ça va être encore plus horrible. C'est horrible. Oh, c'est vain, c'est true. Oh my god. Oh my god. I'm the same vibe. Mais c'est n'importe quoi. C'est horrible. Bref, c'est horrible les gars. Je pense que même si je chante grave mal là, ça sera toujours meilleur que ça. Oh my godness, c'est horrible. Starting on my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it's in my wrong. Really love my company. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in, because I'm gonna get. And to him I just can't be true. And I know that he knows my faithful, and it kills him inside to know that I'm happy with some other guy. Oh my god, I can see him dying. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why every time I walk out the door I see him die a little more inside. I don't wanna hurt him anymore.
murderer. Bon, mon anglais c'est horrible. En fait, je vous explique. J'étais la meilleure limite en anglais avant. J'étais trop trop forte en anglais. Je prononçais trop bien. Et depuis que je vais plus à l'école, je deviens une merde en anglais. Voilà, tout simplement. Ensuite, chanson suivante. Surtout que j'ai 2% sur mon ordinateur. Ah ouais. Ça craint celle-là parce qu'elle est hyper haute. C'est quoi ça? Non, non. En fait, ça va, cette chanson, je trouve que ça va. Je trouve que ça va comparé aux autres, mais je sais pas qu'est-ce que j'avais dans la gorge, j'avais genre, je sais pas. Bref, bon là, ça va être un peu chaud parce que les enfants dorment. Je vais sûrement les réveiller. J'irai où tu iras. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à swinger, à rocker? C'est parti. Chez moi, il faut se balancer, toi gratte le ciel. Les eaux des tours sont le lancer, les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portées, tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Pas pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Pas pour tes torrents, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule, où tes bras me serrent. T'irai où tu iras. Mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sur le vent. Bon, stop, parce que les enfants dorment. Et là, stop it now, stop it now. Encore une fois, donc là je crois que c'est la quatrième chanson. Ou la cinquième, je crois même, c'est la cinquième. Donc je vous laisse voter en commentaire tout de suite et me dire du coup laquelle vous préférez. C'est la dernière chanson, c'est la dernière chanson, c'est la dernière chanson, c'est la dernière chanson. En fait, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un petit truc qu'on se dit entre vous et moi, ma petite team. En vrai, j'ai bien aimé faire la chanson Unfaithful. Donc même si ma prononciation était à chier, mais vraiment à yesh, j'ai trop aimé vous la faire. Donc, je pense, peut-être, peut-être pas, à vous de me dire en commentaire, vu que c'est pour vous que je fais des vidéos. Je pense que je la reprendrai bien en version française, mais en inventant, enfin, en restant sur le thème, parce que elle dit qu'en gros, elle était infidèle. C'est elle qui est infidèle, si je me rappelle bien. Genre, en gros, que moi, je suis infidèle, mais qu'au final, j'aime trop mon mec, mais qu'au final, ben, voilà, j'arrive pas, enfin... Un délire comme ça, donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Et donc voilà. Bon, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaye de plus en plus de faire de vidéos en ce moment. Je suis plus à fond dedans, même sur TikTok et tout. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc sur Snapchat, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, partout. Donc partout, de toute façon, c'est Jenna Della. À part sur Snap, c'est Jenoy, donc D-G-E-N-3-O-Y. Donc me demandez pas pourquoi, c'est parce qu'on avait un délire avec mes copines quand on était au lycée. Donc voilà, c'est toujours resté Jenoy. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous fais d'énormes bisous. Et voilà, à la prochaine, gros bisous.